Geneviève Guilbeault a encore une fois écorché le projet de tramway ce matin lors de l'étude des crédits de son ministère. La ministre des Transports et de la Mobilité durable a défendu la décision de son gouvernement de stopper le projet de tramway en novembre dernier. Et il faut dire une chose, Olivier, c'est qu'elle prétend notamment que personne ne voulait réaliser le tramway. Exactement. Et c'est sans doute un peu court, Louis-Simon, comme affirmation, parce qu'il faut rappeler qu'il y avait un consortium intéressé à bâtir le tramway jusqu'à la fin de l'appel d'offres. Ce qui a fait ultimement dérailler le processus, bien, c'est essentiellement les coûts de financement qui ont explosé, évidemment, avec la flambée des taux d'intérêt. Mais Montréal vit aussi ce problème-là. L'appel d'offres pour le prolongement de la ligne bleue du métro a été prolongé, reporté, imaginez-vous, 4 fois. Et la mairesse Plante à Montréal a avoué publiquement qu'il y avait seulement un consortium en course, dans la course finalement, pour réaliser le forage du tunnel, qui est évidemment le contrat principal. Alors, ça demeure difficile aussi à Montréal, mais le gouvernement Legault qui semble diriger ses critiques vers le projet de tramway de Québec. Voici Geneviève Guilbeault. La réalité, c'est qu'il n'y a eu aucun soumissionnaire sur l'appel d'offres du tramway en novembre dernier. Alors, on s'est retrouvé avec un projet que personne ne voulait faire. Donc, il fallait trouver une solution. Et la Caisse, qui est en train de faire le REM et qui a une expertise reconnue et crédible, nous paraissait le meilleur intervenant pour mener à bien ce mandat-là. Et Olivier, malgré l'insistance du maire Marchand, Geneviève Guilbeault ne ressent aucune urgence à lancer les travaux d'un projet structurant à Québec. Écoutez, s'il y avait encore un petit espoir de voir un projet structurant lancé à Québec rapidement, disons que Mme Guilbeault a probablement étouffé cet espoir-là tantôt. On sait que la Caisse de dépôt et placement prépare une analyse qui sera déposée en juin prochain. Tantôt, Mme Guilbeault parlait de l'analyse comme une pré-proposition, le début, en quelque sorte, d'un processus de réflexion plus large. Alors, elle veut prendre le temps de bien faire les choses et ça ne sera pas visiblement rapide comme processus. Voici à nouveau la ministre. Le mandat est en cours. Alors, quand il sera terminé, on pourra faire, si on veut, l'espèce de post-mortem ou, tu sais, c'est ça. Puis il y aura une étude de crédit l'année prochaine, puis on verra la suite aussi, là. Actuellement, on est dans une sorte de mandat de pré-planification ou, tu sais, de proposition. Puis on n'est pas encore dans qui réalisera quoi. Alors voilà, le cabinet de la mairie de Québec n'a pas voulu commenter la sortie de la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Le maire Marchand, par contre, sera visible demain, Louis-Simon. À suivre alors. Merci, Olivier.